Et salut tout le monde, c'est Zoro, bienvenue pour ce 14e épisode, je crois, de mon Let's Play sur The Legend of Zelda, The Wind Waker HD. La dernière fois, on avait terminé la tour des dieux et récupéré l'épée du héros. Et là, du coup, aujourd'hui, on était retourné sur Mercantile pour avoir une nouvelle voile. Parce que pour l'instant, la nuit refuse de tomber. Alors, qu'est-ce que ça me dit ici? Good morning, vous avez du courrier. Vas-y, crache-moi ta lettre à la figure. Mon cher Jarot, comment vas-tu? As-tu encore assez de soupe de mémé? Où es-tu donc? Qui sait, tu n'es peut-être pas si loin. J'espère que tu n'as pas faim, j'espère que tu n'es pas blessé. Je sais que tu dois traverser encore des moments difficiles, mon Jarot. As-tu assez de rubis? Ce n'est pas grand-chose, mais je t'envoie ceux que j'ai économisés, fais-en bon usage. Je n'ai besoin de rien d'autre que de vous revoir, toi et Ariel. Reviens-moi vite en bonne santé. Revenez-moi vite en bonne santé. Mémé. Merci mémé, mais j'étais déjà full. Du coup, en off, je suis allé ici. Ici, il y a une espèce de caverne avec un vent d'enfer qui souffle. Et on m'a dit que pour trouver quelque chose, il fallait aller 5 au sud, 1 à l'est. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. Donc, je pense qu'on va y faire un tour après. On va aller y faire un tour avant d'aller à l'ultime Ganon là. Mais ça serait bien. On pourrait aller y faire un tour si la nuit voulait bien tomber. Bon, moi je vais faire comme tout à l'heure. Je vais aller visiter une autre île du coup. Hop, l'île qui est là-bas là. Ça me paraît très bien. Let's go. Dès qu'il veut bien faire nuit, quoi, et bah. On fait demi-tour. Mais ces journées-là sont d'une longueur. J'ai attendu au moins 10 minutes, 5-10 minutes. Pour que la nuit tombe, en fait, pas du tout. Hein. Oh putain, le soleil, il est en train de baisser là. Oh, le soleil, il est en train de baisser. Il faudrait que le vent éventuellement souffle à l'ouest. Ça devrait le faire, je pense. Enfin, le soleil se couche. Mais pop, pop, pop. C'était longuet. On veut une voile rouge, nous. Hein. On veut une voile qui nous fasse tracer comme pas permis. Qu'est-ce que c'est? Je vois bien qu'il y a un. Et non. Oh, oh putain, mais il y a un. Il y a un coffre secret ici, c'est ouf. Ok. Il faut aller chez le monsieur riche. Pour une vente aux enchères. Le monsieur, je crois qu'il habitait ici. Tiens, bonsoir. On me prête le rez-de-chaussée de ces bâtiments pour organiser des enchères. Les premières ont lieu dès ce soir. Vous connaissez le système des enchères? Un objet est mis en vente et il s'agit de proposer pour cet objet une somme d'argent plus élevée que celle proposée par la personne précédente. Celui qui fait la meilleure offre l'emporte. Tiens, vous avez l'air intéressé. Tout le monde peut participer, les enfants comme les adultes. Ça, par exemple, vous voulez
Ça, par exemple, vous voulez participer aux enchères? Ah ouais. Très bien, à vrai dire. Je pense que je n'ai pas besoin de vous redire comment les enchères fonctionnent. Non, non, c'est bon. Parfait, pas de blabla inutile donc. Bien, alors commençons tout de suite, vite, nous n'avons pas de temps à perdre. Bien, je tiens à vous remercier, chers collectionneurs passionnés, d'être venus si nombreux ce soir. Nous allons pouvoir ouvrir les enchères et deviner par quoi nous allons commencer ce soir. J'ai tellement hâte de vous le dire que je n'arrête pas de renifler. J'ai l'honneur de vous annoncer que l'objet mis en vente ce soir est celui-ci. Une voile rapide. Oh putain. Oui, vous avez bien vu, c'est un objet très rare et d'une grande valeur. Oui, vous pouvez me croire sur parole. Bien, commençons, ne perdons pas de temps. La mise à prix est à 100 rubis. Prêt? C'est parti. Cent trois rubis. Oh le bâtard. Vous êtes tous prêts? C'est reparti. 106 rubis. Ah, putain, comment on fait? Ah, on chère. Ah, bah oui. Oh non, j'arrive pas. Ouais. Oh là 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 là, 113 rubis. Est-ce qu'il faut mâcher le bouton pour enchérir? Oui. Moi j'en offre 150 des rubis, hein, les gars. Oh! Quelle enchère ça, tout le monde reste pantois. Moi qui pensais avoir affaire à un gamin, comment je peux me laisser avoir comme ça? Dans le doute. Dépêchons-nous, je crois qu'il va bientôt être l'heure de mettre fin aux enchères. Cent soixante-dix rubis, je monte sur ma propre offre. Eh oui, je suis un riche propriétaire. Et on va se remettre à ce niveau-là pour être sûr. Oh le bâtard. 182 rubis. Putain le bâtard. 230 rubis. Il reste 15 secondes, putain. Mais sérieux, c'est incroyable! 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 238 rubis! Non, c'est pas sérieux! Ouf, j'ai bien fait de monter, hein. 300 rubis. Il va voir ce qu'il va voir. Ma pépa mis sans chair dans ma jeunesse. Oui. Adjugé vendu. Le raqueur qui repartira ce soir avec une voile rapide sous les bras est Zarod pour 300 rubis. Je n'ai qu'un mot à dire. Félicitations. Yes! Une voile rapide. Fruit des dernières innovations technologiques, cette voile rendra votre bateau plus rapide que jamais. Mieux encore, avec elle, vous aurez toujours le vent en poupe. Hissez-la pour qu'elle souffle automatiquement dans votre dos. Oh yes, plus besoin de sortir la baguette à chaque changement de destination. Oh. Et vous êtes si jeune, j'ai rarement vu un jeune homme aussi généreux. Voilà. Mes chers amis, chanceux ou moins chanceux, merci à tous d'être venus ce soir. Nous allons devoir en rester là pour aujourd'hui. Bonne nuit à tous. Nice, ça c'est nice. Ça, c'est nice. Elle est pas mise la voile là?
Ok, donc là, moi, je voulais aller... Ouais, par là. Ah, voilà, ça va bien plus vite de voyager d'un coup. Je voulais aller voir cette île-là. C'est l'île forêt, ça peut-être, cela dit. Ah non, c'est l'île du dragon. Arrêtons-nous ici alors. Hop! Quelques informations sur le coin, je prends. Salut petit gars, je t'écoute. Ouais, je veux des informations sur ma carte. Une île papa d'ours. As-tu déjà rencontré des blobs, petit gars? Pas des bobs, comme les chapeaux, non, des blobs. Tu sais, c'est mon gélatineux dégoûtant qui te saute dessus si tu t'approches. Eh bien, cette île en est remplie, je n'en ai jamais vu. Si tu n'en as jamais vu, c'est l'occasion ou jamais. À propos, j'ai vu que le pharmacien de Mercantile passait souvent. Je me demande bien ce qu'il vient faire ici. C'est tout pour les infos. Ok, merci. Elle est où l'île? Voilà. J'ai pas de carte au trésor avec l'île Papate par hasard. Si. C'est quoi ça, la carte de Terry? Ah oui. Donc la carte île Papate, elle est là. Hop. Pas de chance. Elle est dans le coin, mais où exactement? Les demi-tours, hein, c'est pas facile les demi-tours du coup avec cette voile. Bien qu'on est pas mal là. Sérieux? Ah! Oh oui, un quart de cœur, putain, terrible. Ok, pour aller vers l'île Dragon. Très bien, bon, on va aller chercher les boots qui sont du coup ici. Donc direction plein sud. Ok, on est pas mal. Allez, let's go plein sud. On fait des arrêts si on croise des îles sur le chemin, hein, bien entendu, comme d'habitude. Ah, mais quel plaisir de voguer à la vitesse de la lumière. Oh. Merci la voile rouge. Oh, il y a sûrement une île dans le coin, mais là, on s'en fiche. Là, c'est la tour des dieux.
J'ai vu qu'il y avait le poisson. Il vient pas. Pas assez proche peut-être. Non, il vient pas bouffer lui ce bâtard. Ok, quand même. Oui, je veux des infos. Tic. Et ici, je sais qu'il y a la tour. Mon instinct de poisson me dit que ton destin est de venir ici plusieurs fois. Il me dit également que la tribosse est la clé de ta destinée. Il me dit aussi que si tu as besoin d'informations sur la tribosse, tu dois les demander par exemple à Tingle. Et crois-moi, mon instinct ne se trompe jamais. C'est tout pour les infos. Adieu. Continuons plein sud. Ok, donc c'est le carré d'après, il y a une île. Et sur cette île, il y a de quoi résister au vent, normalement. Mais déjà, avec la nouvelle voile, putain, quel plaisir, quel bonheur. Hein. Parce que là, je pars passer en voile normale et perdre de la vitesse, en fait, aucun intérêt. Donc là, je peux pas y rentrer dedans de toute façon, on le sait. Ok, et donc là maintenant, faut chercher dans ce carré, parce que ça, je pense que c'est ce qu'on voit sur ma map. On peut aller voir pour s'en assurer quand même. Ça, c'est l'île aux forêts, ça, c'est l'île aux forêts. Hein. Clairement l'île aux forêts, ça. Allons là, qu'est-ce que c'est que ça? Une île de givre. Parfait. On va aller demander à notre ami le poisson. Ce petit gars. Ouais, je veux des infos sur la carte. J'ai entendu dire qu'il y avait un magnifique trésor sur cette île gelée où il fait un froid polaire. Mais à ce qu'il paraît, dès qu'on s'approche de l'île pour aller chercher ce trésor, on est littéralement congelé par le froid. Oh merde, putain. À 4 au nord. 4 nord et 3 à l'ouest. On se trouve une île sur laquelle on peut trouver le pouvoir de dégeler n'importe quoi. C'est tout pour les infos. Ok. Donc. 4 au nord, 1, 2, 3, 4, et 3 à l'ouest. 2, 2, 3. Sérieusement? Let's go nord-ouest. Par ici donc. Ah non? Par ici donc. On va quand même aller voir. Ça m'a effectivement gelé.
c'est ici. Let's go. On a dit 4 honneurs. Hein. Donc on a dit 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ici. Donc en 2-2. On sait jamais si on croise des poissons. Merde. Et après, on sera pas loin de Ganon. Donc peut-être on ira chez Ganon plutôt. Ça fait 20 minutes. Donc là, il y a un hélicoptère. Pas le poisson par ici? Non? Eh ben tant pis. Putain d'hélicoptère. Je vous jure. Casse les oreilles! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une île pirate. Feu! 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 Je sais, je fais demi-tour. Allez, tourne, tourne, tourne! Déjà bientôt rendu. Et ça, ça fait plaisir. On n'est pas loin de cette île là. On va aller chercher le poisson de cette île pendant qu'on y est. Un bateau pirate, ça. Pardon. Il y a un bateau pirate, mais on ne peut pas actuellement. Là, je cherche plutôt le poisson du coin. Pas de poisson. Pas de poisson. Bon, bah, pas de poisson, pas de poisson. Chargeax! Les 50, on s'en tape. Ok, on la voit tout là-bas, l'île. Messieurs, bonjour.
Bon, vous êtes trop lent, hein. Vous êtes bien trop lent. Là, il y a un poisson. Demandons des infos pendant qu'on y est. Ouais, je veux des infos sur la carte, là, vas-y. Île de la Rocaille. Il y a quelques années, il y a des années que le phare de Mercantile est éteint maintenant. Tu aurais dû voir ce rayon de lumière dans la nuit. C'était magnifique, j'ai passé des heures à le contempler avec Liliane. Il suffira d'envoyer une boule de feu à l'intérieur pour que le phare éclaire à nouveau, j'en suis convaincu. On devrait plus souvent tenir compte de la vie des poissons, crois-moi. Ah, juste une bombe, ça suffirait? C'est tout pour les infos. Si tu veux que je répète, donne-moi encore à manger. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ici? On va aller check. Ah, c'est encore le moment où il faut lancer au bon moment. Fail. On va réussir, on va réussir. Souvent dans ce genre d'île, il peut y avoir un... quart de cœur ou un truc comme ça, donc... Allez, mais monte. J'ai essayé de péter le truc en dessous. J'aimerais bien réussir à le péter. Peut-être qu'il y a un truc à choper. Non, rien. Pour vous diriger vers l'îlot occidental des fées, poursuivez votre route vers l'ouest. Je vais quand même aller voir ce qu'il y a là-dedans. Enculé, où est-ce que je suis? Oh putain! Bim. Ok. Et qu'est-ce qu'il y avait de beau là-dedans? Tout ça pour une maudite carte au trésor. Ça dégoûte. Et il n'y avait rien d'autre. Bon. Après les cartes au trésor, des fois il y a des fragments de cœur. Hein, donc moi je dis why not. Ok. Mais non, je veux monter.
Let's go! Let's go là. Let's go là. Ce truc carré là. Histoire de d'avoir un truc pour pas geler. Non mais c'est très bien ça, mais du coup si ça me réemporte à l'autre bout de je sais pas où là, ça va me saouler. Le problème c'est que... ouais. Ok, le poisson est là. Qui me dit comment monter ici. Salut petit gars. Ouais, je veux des infos sur ma carte. J'ai entendu dire qu'il y avait dans cette île une fée belle à en mourir, mais personne ne l'a jamais vue. Si tu veux la voir, laisse-toi prendre dans une tornade pour accéder à l'intérieur de l'île par les airs. C'est tout pour les infos. Arrête de lui parler. Ok, là c'est... Mais non! Mais bon, elle touche pas en fait. Terrible. Et me voilà l'île de l'aurore. Terrible, terrible. Ok, on peut revoir ce qu'ils nous ont dit, ça c'est bien. Combien de cet épisode? 35 minutes. 35 minutes, c'est dommage. Parce qu'on voit bien qu'il y a des fées. Bon, je vais aller visiter le bout de l'île. Le bord de map, là. Puis on arrêtera après. Tant pis, ce sera un épisode un peu plus court, mais c'est un épisode un peu chill, un petit peu. Un peu navigation, un petit peu visite. Et en plus, je me pose la question de est-ce que si je vais tout à gauche, là je reviens à droite. Donc, comme ça, on aura la réponse. Putain, des bruits de... Quand se les couillent les hélicoptères, là. Vous me pétez les burnes. Vous faites trop de bruit. Oh, oh, oh.
Mais je suis nul. Ah ouais, c'est qu'on peut, on peut pas passer en fait. Mauvais vent. J'ai vu le poisson, il était là. Salut petit gars. Ouais, je veux des infos. Ouais. Vas-y, balance. Ok. Il y a un vieux sur l'île qui se trouve à l'est d'ici qui prétend avoir été autrefois une fine lame. Il dit qu'il peut le prouver parce qu'il possède des blasons des pays. Tu voudrais bien savoir ce que c'est que des blasons des pays, ça, mais je te le dirai pas. Ok. Ok, donc direction par là, est-ce qu'on arrive instant chez, chez Ganon? Telle est la question. Ah non, ça fait pas du tout. Ça ne fait rien. Bon, mais ok. Toi, on te dodge. Là, il faudrait le bon vent en fait. Bon, ok, on va faire cette île avant d'arrêter. Comme ça, on n'arrête pas sur rien. Donc là, je regarde par... Okay, je veux du vent nord. Yes, un peu de vent de nord. On va me permettre de... En sautant... de passer. Ah. C'est pas passé. Sérieux? Il a pas accroché? Le truc, c'est que pourtant là ça souffle bien et. Bon. Moi, si j'arrive pas sur le prochain saut, j'arrête, tant pis. Putain. Mais là, c'est que j'essaie de prendre la meilleure trajectoire possible, forcément. Non, mais ça passe pas. Hein. Non, ça passe pas. Bon, mais c'est pas grave. Hop. Tac.
Bon allez, c'est tout pour ce 14e épisode. Merci de l'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon visage. Comme d'habitude, à gauche l'épisode précédent, à droite l'épisode suivant quand il sera en ligne. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!